C'est fini, oui? Hein? Où est votre maître? Oui, oui, bonjour. Je veux voir Lippmann. Il n'a pas sonné à l'entrée? Si, ça répond pas. Est-ce que tu sais où il est? Je viens de rentrer du boulot. Il m'avait promis un billet pour le hockey sur glace, pour le match de demain soir. Depuis quand est-ce que tu t'intéresses à ces trucs-là? Depuis toujours, ou presque. Avant de rentrer, je vais au bistrot boire une bière. Est-ce que tu m'accompagnes? Pas aujourd'hui. T'as trouvé de nouveaux copains? Copains? Tu sais, il y a plus d'une fille que tu intéresses. Alors? Faut que j'aille d'abord donner à boire au chien. Lippmann a oublié. Il est plus de minuit. Oui, je sais. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombé sur des éclats de verre. Montre-moi ta main. Oh, mon Dieu. Approche-toi de là. Comment se fait-il que tu sois encore debout? Je n'avais aucune envie d'aller me coucher, voilà tout. Je t'en fais encore trop boire. Pour ça, j'ai besoin de personne. Je me demande pourquoi tu fréquentes cette bande. J'ai personne d'autre. Ça pique? Pas trop. Reste tranquille. En fait, j'ai appelé l'oncle Walter hier soir. Il devait me donner un billet pour le match. Je suis allé jusqu'à son pavillon ce soir, mais je me suis cassé le nez et il n'y était pas. Peut-être qu'il n'était pas encore rentré du chantier. Le garage était ouvert. D'habitude, quand il sort la voiture, il ferme toujours la porte du garage derrière lui. Va t'asseoir. Fais attention. Les chiens n'ont pas été soignés. Rien à manger et rien à boire. L'oncle négligeait ses chiens, c'est encore jamais arrivé. Tranquillise-toi, s'il t'a promis ce billet, tu l'auras. Mais j'y pense, peut-être qu'il a eu l'idée de te l'envoyer par la poste. Rien.
Bonjour, monsieur. Oh, Philippe. Bonjour. Le grand chef est là? Ah non, on l'a pas encore vu. Vous savez s'il est chez lui, peut-être? Quand j'ai téléphoné à son domicile ce matin, ça répondait pas, en tout cas. Hier soir, je suis passé chez lui vers les 6 heures. Oh, hier, il est pas venu du tout, ni le matin, ni l'après-midi. Est-ce qu'il serait en voyage d'affaires? Non, je le saurais, tu penses? Oh, c'est peut-être une affaire privée. Entre, voyons, viens boire un petit café. Non, merci, il faut que je reparte. Si. Si par hasard il revenait, M. Pressac, vous voulez lui dire que... Oui. Excusez-moi, monsieur. Au revoir. Au revoir. Ici. Et après, ça vous dérange? Je veux voir Monsieur Lippmann. Je suis désolée, il est parti en voyage. Vous savez où? C'était tout ce que vous vouliez autrement. C'est pas vous qui avez donné à manger aux chiens? Si. Monsieur Lippmann a dit qu'il avait un billet pour le match de hockey de ce soir pour moi. Vous savez peut-être s'il est... Je ne sais pas, j'arrive tout juste. Peut-être qu'il se trouve simplement dans son bureau. Vous voulez bien aller regarder? Je vais voir. Là, qui vous a permis d'entrer? Je jette seulement un petit coup d'œil. Allez-vous-en. Si mon oncle était là, vous verriez un peu, tiens. Oui, mais voilà, il n'est pas là, alors dehors! Je venais ici tous les jours, quand je voulais. À l'époque, vous acceptiez de vous mettre à poil pour un peu d'argent, vrai? Sortez, ou pas? Sortez, foutez le si camp! Si jamais vous me touchez! Misérable estropié. Vous le regretterez un jour, ça. C'est que jeudi prochain, jeudi et aussi vendredi, je voudrais récupérer mes heures supplémentaires. Oh, t'as une nouvelle amie, n'est-ce pas? Oui. Allez. Si par hasard, moi, je voulais récupérer les heures supplémentaires que j'ai faites, on pourrait fermer la boutique pour un sacré bout de temps. Le vendredi, ça suffira pour commencer? Oui, d'accord. D'accord. Tu l'embrasseras pour moi. Alors là, je vais être obligé d'être très diplomate. À la prochaine! Et voilà comment ça commence, un roman d'amour. Un regard, un sourire, et un jour, cinq voix s'écrient: bonne fête, papa, tu m'achètes une bicyclette. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous êtes du commissariat, peut-être? Oui. Je voudrais vous parler un instant. Oui, c'est-à-dire que... De quoi s'agit-il? Est-ce que je peux m'asseoir? Venez dans mon bureau. Entendu. Alors, est-ce qu'il faut décommander la petite dame? Oui, nous verrons. Allez, venez, monsieur. Il est véritablement votre oncle? Non, c'est moi qui l'appelle comme ça, il y a longtemps qu'on se connaît. Quand vous êtes-vous aperçu de sa disparition? Dans la soirée d'avant-hier. C'est-à-dire à peine 48 heures? Le garage était vide, c'est donc qu'il est parti en voiture. Mais quand il s'absente longtemps, il prévient naturellement d'abord le chantier. D'autre part, il fait le nécessaire pour qu'on s'occupe de ses chiens. Il les oublierait jamais, ses chiens.
Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il ait pu lui arriver? Quelqu'un lui a fait un mauvais coup, selon moi. Voudriez-vous dire qu'il n'est peut-être plus vivant? Oui. Vous savez, dans cette ville, il y a tant de personnes qui disparaissent pour quelques jours ou davantage. Mais presque tous reviennent en bonne santé chez eux. Il y a 6 mois, il a fait connaissance d'une rouquine dans un de ses bars. Il lui a payé un studio et installé une boutique. Aujourd'hui, elle est brusquement arrivée chez lui. Et vous estimez que cette personne pourrait avoir un rapport avec sa disparition? C'est une fille redoutable et sans scrupules qui n'a peur de rien. Elle vous est antipathique. Vous savez, il y a bien des gens qui ne sont pas sympathiques, mais ce n'est pas une raison pour qu'ils tuent. Hier, elle m'a laissé pénétrer 2 minutes à l'intérieur de la maison. Mon oncle a un râtelier d'armes dans son entrée qui est fait pour ranger 6 fusils. Or, hier, il n'y en avait plus que 5. Est-ce qu'il va à la chasse? Oui. Eh bien, voilà. D'accord, mais c'est assez rare. Oui, il y va, en tout cas. Eh bien, ça pourrait être une explication. Mais quand il y va, il emmène les chiens avec lui. Comment s'appelle-t-il? Walter Lippmann. Lippmann ou Littmann? Lippmann, avec 2 P. Hans. Quel âge? Non, continue, continue. Quel âge? La 60aine. 62 ans. 62 ans. Vous connaissez le numéro de sa voiture? Oui, MVS. MVS. 32. 65. 65, bien. Bon, moi, je vais adresser ces renseignements au service des disparitions, mais c'est hélas tout ce que je peux faire pour vous. Je pourrais vous téléphoner? Oui, attendez. Tenez, mon numéro est sur la carte. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Philippe Radke. Ah, Radke. Avec D-E-T. A-D-E-T. Au revoir, monsieur Radke. Au revoir. Si tu consacres ton temps libre aux personnes qui s'amusent à jouer au détective privé, tu feras jamais plus ample connaissance avec ta nouvelle amie. Oui, mais ce garçon... Et je sais, mais devrions traiter les handicapés physiques comme n'importe quelle personne. Moi, j'en suis sûr. Non, ma chien. Dépêche-toi. Au revoir, patron. Au revoir. Sors par derrière, surtout. D'ici, tu verras tout ce que tu voudras. Surtout la nuit. Quand ils allument la lumière. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier? Ah, ils ont eu une prise de bec, quelque chose de soigné. Lippmann est resté calme tout le temps, lui. Mais la rouquine n'arrêtait pas de l'engueuler. Je comprends vraiment pas pourquoi il se laisse faire. Ou il est lâche, ou il s'en fout. Enfin, ça le regarde. Il y a 3 mois environ, il a dû la virer, il me semble. En tout cas, elle a disparu un bout de temps. Et il y a 3 semaines de ça, elle a brusquement refait surface. Mais de l'autre côté, tout restait calfeutré. Et puis, la semaine dernière, il faisait déjà nuit, Lippmann n'était pas encore rentré. Je l'ai vue farfouiller dans tous les coins. Comme si elle cherchait quelque chose. Très drôle. Il y a mieux, beaucoup mieux encore. Viens avec moi. C'est un sous-locataire qui habite ici. En général, il rentre assez tard le soir. De là, on voit derrière la maison. Qu'est-ce que t'en dis? Tu sais qui c'est? Il est arrivé hier soir. La rouquine est venue lui ouvrir. Il est resté toute la nuit en plus. Tu l'as déjà vu auparavant? Oui, il y a 15 ans. Il était dans sa voiture de rue plus loin, paraissant attendre. La rouquine est arrivée et elle est montée. Et puis ils sont partis. Il va s'en aller, faudrait le prendre en chasse. Toi, t'as une voiture? Je te paierai, naturellement. 50 marques. Pas le temps, je travaille. 80? Et pourquoi ça t'intéresse tellement? Parce que je dois savoir. 100 marques.
Le café est servi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, elle fait sa connaissance et elle danse avec lui. Là, elle lui prend son fusil et elle le supprime. Et sur le troisième? Elle est abattue par la police. La fille pensait filer avec son fric. Tu inventes des choses stupides auxquelles tu te raccroches chaque jour davantage. Est-ce que tu l'as déjà vue? Qui? L'amie de l'oncle Walter. Elle est capable de tout. Mon Dieu, tu ferais mieux de penser à autre chose. Tu verras. Demain, il sera de nouveau à son bureau. Certainement. Il n'est plus en vie. Mais grand Dieu, je vais croire que tu souhaites réellement que cette femme l'ait tué. Samedi soir, on part pour la montagne. Il y a si longtemps qu'on n'y est pas allé. Non, tu t'arrêtes. Autrefois, elle venait nous voir presque chaque semaine. Depuis qu'il connaît cette femme, il est tout changé. Il n'a jamais le temps. Monsieur est de mauvaise humeur quand je lui téléphone. Comment peux-tu dire ça puisqu'il allait te donner un billet? Peut-être a-t-il voulu retrouver un peu de sa jeunesse avec cette femme. Quand il reviendra, nous allons l'inviter, hein? Harry, entre donc. Bonjour, madame. Oh, pardon. Est-ce que Philippe est là? Oui, il est dans sa chambre. Donne ta veste, tu seras plus à l'aise. Non, non, merci. Ne vous dérangez pas. Dis donc, Philippe, j'ai du nouveau pour toi. Vous devez penser que je suis fou, j'imagine. Non, je ne pense pas ça, monsieur Radke. Mais que vous n'êtes pas assez mesuré. Nathan a raison, monsieur croit que la maîtresse de monsieur Lippmann pourrait bien avoir un rapport avec sa récente disparition. Il y a 6 mois que cette jeune femme et mon oncle ont une liaison. Seulement, elle a et a toujours eu un autre amant. D'où tenez-vous cela? D'un copain qui l'a découvert. Hein? Ils se rejoignent régulièrement dans le studio que mon oncle avait acheté pour elle et fait installer. L'autre garait tout le temps sa voiture devant la porte. Et il rangeait sa voiture devant chez elle, bon, puis c'est tout. Oh, mon oncle devait être au courant, je pense, parce que leurs disputes étaient fréquentes. Un jour, il l'a fichu à la porte. Et puis un jour, elle est revenue, elle a dû lui faire croire qu'elle avait laissé tomber l'autre gars. Mais mon oncle s'est aperçu rapidement que c'était pas vrai. Et lorsqu'il a décidé de se séparer d'elle une bonne fois pour toutes, alors il l'a supprimée. Et c'est très joli, votre démonstration, monsieur Radke. Le hic, c'est que nous n'avons pas de cadavre. En dehors de ça, une femme qui a une liaison avec un homme parce qu'il a de l'argent n'a pas intérêt à le tuer, n'est-ce pas? Elle a mieux à faire, elle essaie d'en trouver un autre pour l'entretenir. C'est plus simple et plus humain. Mon oncle a une collection de timbres de grande valeur. Ah. Elle lui a coûté une fortune. Il l'a gardée dans son cabinet de travail, dans son coffre-fort. Je suis sûr que cette femme le savait. Avant-hier, quand je suis allé chez mon oncle, tous les tiroirs de sa commode étaient ouverts. Et il y a une huitaine de ça, elle a même été vue par quelqu'un pendant qu'elle était en train de retourner la maison en entier. Selon moi, elle recherchait la clé du coffre. Quel est le nom de cette personne? Ute Kepich. Note-moi ça, veux-tu, Hans? Bien, nous allons nous occuper de cette affaire, cher monsieur. Vraiment? Mais oui, vous pouvez vous en remettre à nous. Merci. Je vous en prie. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur Radke. Au revoir. Vous me dites? J'espère que vous n'êtes pas fâché. Enfin, ah, je le sais peut-être si nous n'avions pas reçu ceci il y a à peine plus d'une demi-heure. Il pourrait y avoir du vrai dans cette histoire. Madame, nous voulions parler à monsieur Lippmann. Monsieur Lippmann est en voyage. Quand est-ce qu'il doit revenir? Ça, je ne peux pas vous dire. Vous prenez soin de sa maison en son absence? Il faut savoir qui vous êtes, tout d'abord. Custer de la police criminelle. Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes en possession des clés de sa maison?
Elles m'ont été confiées par Monsieur Lippmann. Par ici, je vous prie, monsieur. Excusez-moi, mais est-ce que vous avez... Pardon, donnez-moi ça. Merci. C'est par Monsieur Lippmann que vous êtes au courant de son voyage? Il me l'a écrit, à dire vrai. Je vous en prie, messieurs, entrez donc, voyons. Asseyez-vous. Merci. Est-ce que vous auriez gardé la lettre qui vous a écrite? Je vais voir. Permettez. La voilà. Merci. Et l'enveloppe, est-ce que vous avez encore l'enveloppe? Non, je regrette. Mais qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Le 14 septembre doit partir d'urgence, retour indéterminé, occupe-toi de tout. Est-ce qu'habituellement, vous écrivez des lettres à la machine? Habituellement, il me téléphonait. Mais je vois. D'après vous, pour quelle raison la type a fait cette fois-ci? Il n'a pu réussir à me joindre, sans doute. Je me déplace souvent, vous savez. Est-ce que la lettre W écrite à la main est l'abrégé de son prénom, madame? Oui. Vous me permettez d'emporter cette missive? Vous la récupérerez dans 3-4 jours? Bien sûr. Je pourrais savoir le pourquoi de ces questions. Et il serait possible qu'il y soit arrivé quelque chose selon certaines indications reçues. Mon Dieu, mais de quelles indications peut-il s'agir? Oh, mais ce ne sont naturellement que des suppositions. Si vous êtes d'accord, on pourra en parler ensemble un peu plus tard. Est-il exact que M. Lippmann possède un coffre ici? Oui. Est-il possible de le voir? Mais oui. Si vous voulez me suivre. Voilà. Ah! Où M. Lippmann met-il la clé du coffre, je vous prie? Il la porte toujours sur lui, à ma connaissance. Ah, vous pouvez pas l'ouvrir? Non. Est-ce que je peux vous demander quelle relation vous entretenez avec ce monsieur? Et cette question est importante. Bah oui, vu les circonstances. Nous voulions régulariser, mais vous ne voulez pas me dire ce que... Ah, est-ce que ceci n'est pas la machine avec laquelle M. Lippmann tape ses lettres personnelles? Je l'ignore, je ne me suis jamais intéressé à cela. Permettez-vous que nous fassions une petite épreuve de frappe? En effet. Hans, veux-tu taper quelque chose, s'il te plaît? Ah, l'homme qui était hier après-midi derrière la maison en train de bricoler sa voiture, n'est-ce pas un ami de M. Lippmann, par exemple? Non, de moi. Mais M. Lippmann le connaît. Vous avez remarqué qu'il manquait une page à cet agenda. La page réservée la journée du 15 septembre. Non. D'après le mot que M. Lippmann a tapé pour vous, il s'ensuit que le 15 septembre serait bien la date de son départ en voyage. Oui. La page a été déchirée. Mon Dieu, je me demande qui l'a arrachée. C'est pour moi, en tout cas. Ah, regardons dans la corbeille à papier, peut-être. Disparu. À présent, est-ce que je peux enfin savoir ce que sont réellement ces indications ou ces suppositions qui ont motivé votre déplacement? Je crois avoir le droit d'en être informé, comme ça. Eh bien entendu. La voiture de M. Lippmann a été trouvée ce matin, à 12 km au sud de Munich, abandonnée à proximité d'un pont surplombant l'Isère. Selon les déclarations des témoins, elle se trouve là déjà depuis quelques jours. On est en train de l'examiner. Est arrivé malheur à l'oncle et que la dame soit pour quelque chose, elle va nous rendre la vie très difficile. Alors, on rentre à la maison? Oui. Attends, attends. T'as vu? Ça me donne une idée. C'est ici, sa chambre. Ah. Je peux jeter un petit coup d'œil? Oui, bien sûr.
C'est lui qui a fait tous ces tableaux? Oui. Et il est convaincu qu'un jour son talent sera découvert. Je le laisse à ses illusions. C'est pas mal du tout. Ah là, c'est vous, n'est-ce pas? Oui. Vous semblez être son modèle préféré. Nous sommes très unis. Philippe est comme un enfant, tant dans sa confiance que dans son affection. Et il représente toujours le même homme aussi, partout. Il a toujours souhaité avoir un père qui lui assurerait protection et aide. Le sien a été tué accidentellement avant qu'il ne soit né. Vous connaissez M. Lippmann? Il a tout fait pour nous aider. Avant tout pour Philippe, oui. Vous ne voulez pas vous asseoir? Ah, si, volontiers. Il a eu un accident, votre fils? Non. Il a eu la poliomyélite, à l'âge de 14 ans. Il a lutté des années pour réapprendre à marcher. Il a tout raté, absolument tout, que ce soit dans ses études ou avec ses camarades. Il a perdu courage, à force, naturellement. Il a des amis ou non? Mon Dieu, si l'on peut dire, deux ou trois, peut-être, ou plus, qui lui font payer à boire quelque chose de temps en temps. Il a un emploi? Il n'a que peu de persévérance. C'est d'ailleurs mon grand souci. Que va-t-il devenir quand je ne serai plus là? Il y a 3 mois, le spécialiste m'a dit que j'avais une maladie de cœur. Philippe est incapable de s'en sortir seul. Il serait placé dans un foyer. Je ne cesse d'être hanté par cette pensée. Et vous, est-ce que vous travaillez? Dans un bureau, oui, à mi-temps. Philippe. Que faites-vous ici, vous? Je voulais me faire une idée de votre cadre de vie. Et cette femme, alors, pourquoi ne pas l'avoir coffrée? Parce que je n'ai pas de raison de le faire. Mais elle a assassiné mon oncle. Philippe. Dans tout homicide, il existe toujours un cadavre. Il n'y a qu'un disparu pour le moment. Oh, au lieu de rester sur le... Mais il y a des preuves, voyons. Non, il existe seulement des suppositions, qui sont d'ailleurs extrêmement vagues. Votre peinture me plaît bien. C'est vrai? Oui. Je la trouve très expressive, révélatrice. Walter Lippmann. Il n'a pas été possible, dans si peu de temps, de dénicher d'autres photos. Et de prime abord, il ne force pas la sympathie, hein? Mais pour le jeune Philippe, il doit représenter l'image même du père, il est d'ailleurs sur tous ses tableaux. Auprès de sa mère, presque toujours. Ah, maintenant, je commence à réaliser. Je vois ce qu'il a contre la nouvelle maîtresse. Il la déteste, elle lui a pris le père qui s'était trouvé. Ah. Que dit le rapport du labo? Et il confirme que la lettre a été effectivement tapée sur la machine à écrire de Lippmann. Mais pas obligatoirement par lui. La lettre, là, le W écrit à la main, est insuffisant pour établir un examen graphologique. Ouais, bah ça, je m'en doutais. Bon, et pour la voiture? La voiture? Eh bien, le conducteur, sans doute Lippmann lui-même, a été forcé de l'abandonner. Mais pourquoi là, justement, à côté de ce pont? Il n'y avait plus une seule goutte d'essence dans le réservoir, ce qui fait qu'il n'a pas pu continuer. Ah, autre chose, voyez là, sur le rebord de la gouttière, là, juste sur la partie inférieure de l'arrondi, on a retrouvé des traces de sang. Je suis mis moi-même en rapport avec le toubib de Lippmann et il en ressort que le sang découvert correspond exactement au groupe sanguin auquel Lippmann appartient. Ben, ça signifie donc qu'il a pu se blesser en descendant ou en montant en voiture. Mais dans les deux cas, avec une certaine précipitation. Ben, c'est tout ce qu'on peut en retenir. Quoi donc? Pourquoi la voiture avait l'avant en direction de la ville, ça je me le demande. D'où est-ce qu'elle revenait donc? Enfin, ça fait rien. Je voudrais que la rivière soit systématiquement sondée. Eh ben, il va être heureux, les collègues. Sans doute. Jusqu'à la dernière écluse.
Dépêche-toi. Oui. Munich, Francfort, Londres. Bauer. Faire un petit tour. Combien de temps que vous travaillez avec M. Lippmann? Ça fait 17 ans. 17 ans déjà? Mmh. Oh, bah alors vous devez très bien le connaître. Oh oui, je crois bien. Il n'a pas d'ennemis? Tous les bons automobilistes sont sans doute les ennemis naturels de tous les casseurs. Eh bien, là, il faut que je m'en souvienne. Oui, mais en dehors des ennemis naturels. Des concurrents, des jaloux, des ennemis, non. Que se passe-t-il avec Lippmann? Il a disparu. Disparu? Oui. Vous connaissez un jeune homme qui s'appelle Philippe Radke? Oui. Monsieur Lippmann l'a beaucoup soutenu. Il s'est toujours beaucoup occupé de lui. Hein? Il s'est occupé de sa mère également. Comment l'entendez-vous au juste? Oh, c'est simple, ils avaient une liaison, quoi. Oh, mais il y a longtemps, c'est une histoire ancienne.
Combien de temps? Elle poussa encore le petit dans son fauteuil à roulettes quand ça a débuté. Leur histoire a continué encore longtemps comme ça jusque... Eh ben, jusqu'au jour où ça a été fini. Ça a fini quand, leur liaison? 6-7 ans environ. Seulement, ils s'occupent toujours matériellement des deux. Ils payent le loyer, l'assurance, la voiture, bien sûr. Et une cure chaque année, au printemps, pour le gamin. Depuis 6 mois, il a une nouvelle maîtresse, je crois, une certaine Oute Képi. Je file, il est l'heure. Allez, allez, allez. Oui, elle l'a appelé de temps à autre ici. Je ne l'ai jamais vu encore. Croyez-vous qu'il accorde à cette femme un soutien financier? Ce que les autres obtiennent pour rien, lui, doit le payer. Il n'a guère été gâté dans la vie. Allez, allez. Bon chien, bon chien. Allez, ouvre, dépêche-toi. Allez, hop. Et voilà. Ils se font la malle. C'est pour ça qu'ils se défont des chiens. À quelle heure part l'avion? 19h10. Café? Merci. Ah, on a sondé la rivière, au fait. Oui, sans résultat. Un homme vient de disparaître. Sa voiture est abandonnée sur le côté de la route. Dans son atelier d'armes, manque un fusil. Dans son propre agenda, il manque une page. Où, sans doute, figurait un numéro de téléphone, une adresse ou même un rendez-vous, un nom, je suppose. Qui peut avoir eu intérêt à l'évincer, à le faire disparaître? Le jeune homme infirme? Sa mère? La nouvelle maîtresse? Où est le motif? Ils tiraient tous profit de Lippmann. Personne n'aurait eu l'idée de tuer la poule aux œufs d'or. À l'extrême limite, un fou. Qui? Le nouvel ami de la nouvelle amie, alors... Oui, allô? Philippe Radke. Merci. Oui? Mais comment savez-vous donc ça? Ah, où est-ce que vous êtes? Voir ce que la police fabrique. Si vous croyez que vous allez pouvoir filer, vous vous trompez. Vous n'avez pas une chance. Absolument aucune chance. Vous ne vous en irez jamais. Restez ici. Tire-toi, imbécile! Assassin! 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 Faut arrêter l'escalier. Laissez passer. Ne bougez pas. Restez comme ça. Faut pas remuer. Appelez un médecin. Il faut absolument que tu appelles la police. Je veux savoir si l'album de timbre de mon oncle était dans sa valise à elle. Si elle voulait l'emmener à Londres... Je ne ferai pas ça, Philippe, tu m'entends? Parce que c'est fini, tout ça. Fini une fois pour toutes. Excuse-moi, je voulais seulement... Allez, bois. Quand j'ai dégringolé les marches de l'escalator, j'ai pensé pendant tout ce temps qu'à une chose, au mauvais sang que tu allais te faire quand tu seras averti. C'est bien naturel que je me fasse du mauvais sang.
Tu te fais que du mauvais sang pour moi. Quand on aime quelqu'un, mon chéri, on tremble tout le temps pour lui. Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans? Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Veuillez aller vous asseoir, madame. Vous alliez à Londres faire des achats, n'est-ce pas? Oui, pour mon magasin. Mais pour le magasin que M. Lippmann a fait installer. Exactement. Et pour ces achats, il vous fallait un accompagnateur. Oui, j'ai horreur de voyager seule. Et de passer la nuit seule. Vous aviez retenu une chambre à deux lits là-bas, à Londres. Ça ne vous regarde absolument en rien. Sûrement pas. Est-ce que vous et M. Lippmann ne deviez pas vous marier? Si. Et M. Lippmann n'a rien à redire à cette situation? Il a trop peur de me perdre. Ce qui compte pour lui, c'est qu'on le rencontre dans un lieu public en compagnie d'une personne séduisante. Cela flatte son amour-propre. Vous permettez qu'on fouille le coffre encore une fois, madame? C'est bien celle-ci la clé du coffre. Comment avez-vous eu cette clé? Elle était attachée au porte-clé de sa voiture. Vous permettez? Bien sûr. Hans, tu veux l'ouvrir? Remets tout bien en ordre. Qu'est-ce que vous espériez? Je vous prie de nous excuser, madame. Vous pouvez reprendre votre voyage. Non, je reste ici. Je veux tout de même savoir ce qui est arrivé. Est-ce que vous pourriez me dire si M. Lippmann avait souscrit une assurance sur la vie? Je regrette, je ne peux pas vous répondre. Saxenkamp. C'est là que mon oncle avait une chasse. Et quand il allait là-bas, il prenait toujours la route qui passe par Ashelding. Et à cet endroit, c'est là que sa voiture a été trouvée, derrière le pont, tournée en direction de Munich. Et alors? Elle doit connaître le coin, probable qu'il l'a emmenée deux ou trois fois. Là, derrière le pays, il y a une zone très vaste de marécage, complètement désert. Dis-moi, est-ce que tu ne crois pas que tu exagères un peu? Ce serait une explication, non? La rouquine a transporté le corps de l'oncle jusqu'au marais. Elle est ensuite revenue avec la bagnole et elle a... Je crois que ton ami Harry devrait te laisser. Vous voyez, Philippe n'est pas encore très solide. Et elle a laissé la bagnole près du... Tu vas te recoucher maintenant, tu m'entends? J'allais m'en aller d'ailleurs. Si vous le voulez, je veux dire, tu peux revenir quand tu veux, bien entendu. Ça s'est sûrement passé comme ça. Recouche-toi maintenant. Salut, tu m'appelles, hein? Tu sais où tu peux me joindre. Je vous raccompagne. Harry. Harry, écoute. Tu dois... Cette histoire concernant l'oncle Walter me tourmente beaucoup. Moi aussi, naturellement. Au revoir, madame. Au revoir, Harry. Marie, tu peux me faire un tour là-bas. Cherche du côté du pont. S'il y a quelque chose, des traces de bottes. Mais qui êtes-vous? Un copain de M. Radke. Oui, oui, c'est lui qui vous a dit ça? Ah. Oui, mais pourquoi M. Radke n'appelle-t-il pas en personne? Pardon? Non, je dis pourquoi n'appelle-t-il pas lui-même? Ah bon. Oui. Ah oui, c'est évident. Comment? Une minute, il faut que je prenne ça en note. Donne-moi le truc que t'as, le machin que t'as dans la main, là. Non, 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 c'est pas vous que je parle. Bon, vous avez dit... Saxenkamp. Thank you.
Avance, allez! Dépêche-toi un peu, il y a d'autres camions qui attendent. Monsieur Brestac! Monsieur Brestac! Oui? Vous pouvez accorder une seconde? Oh non, je regrette qu'on reste là. Pourquoi? Vous avez du nouveau? Non, non, mais j'aimerais bien savoir s'il avait souscrit une assurance vie. Oh non, je crois pas, ça m'étonnerait bien de sa part. Vous en êtes certain? Oui, plutôt. Allez, coule-toi, le bahut doit partir. Allez! Est-ce que vous savez s'il a fait son testament? Il vous a rien dit? Il m'en a causé une fois ou deux, comme ça, il y a peut-être 6 ou 7 ans. Il a un avoué? Oui, certain. Le testament a été établi le 14 mars 1971. Et c'est dans ce bureau même que M. Lippmann y a apposé sa signature. Je laisse l'avant-propos de côté concernant l'état civil. Alors, il est dit au paragraphe 3, mon entreprise, terrain, installation, matériel et véhicules et ma maison d'habitation seront mis en vente. Le produit de cette vente sera versé intégralement aux différentes associations charitables suivantes, le home des enfants abandonnés, jeunes aveugles d'Osbourg, etc. Paragraphe 4, ma collection de timbres sera vendue aux enchères et le produit de la vente placé en action pour constituer une rente au profit de M. Philippe Pratik. Rente d'un montant de 2000 marques qui lui sera servi mensuellement toute sa vie durant. Munich, etc. Tu ne t'es jamais senti seul étant petit. Quand tu avais de la peine ou que tu voulais avoir quelque chose, tu es toujours venu vers moi. Pourquoi tu me racontes ça? Il arrivera un jour où je ne serai sans doute plus auprès de toi. Tu es encore jeune et tu vivras longtemps. Peut-être. Est-ce que tu veux un peu relever la tête? Ce qui fait qu'en dehors des fondations diverses auxquelles il lègue certaines sommes, le seul héritier connu, c'est Philippe Radke. Oui, selon ce testament. Mais voilà juste une quinzaine. Monsieur Lippmann m'a adressé une lettre. Et il me fait part dans celle-ci de sa volonté de modifier l'ensemble des précédentes dispositions testamentaires. Je vous la lis. Je lègue mon fonds de commerce, ma maison d'habitation et mon inestimable collection de timbres à laquelle j'ai voué mon existence à Madame Ute Kepisch. Cette dame m'est inconnue. Monsieur Lippmann n'est malheureusement pas venu à la date qu'il avait proposée dans sa lettre pour la signature des actes. Il ne s'est pas décommandé. Vous ne vous êtes pas entretenu personnellement au sujet de ces nouvelles dispositions avec lui? Non, j'en ai eu connaissance par cette lettre, un point c'est tout. Et quand devait avoir lieu la signature des actes? Il y a une semaine exactement, le 15 septembre. Ah, mais sur l'agenda de M. Lippmann qui a été retrouvé sur son bureau, le feuillet du 15 septembre est arraché. Un chapeau. Emportez-le, voulez-vous? Stade olympique, rencontre internationale de hockey sur glace. Dis-moi, tu ne m'as jamais expliqué pourquoi l'oncle Walter avait rompu avec toi? C'est moi qui ai rompu avec lui. Pour une raison très simple, je ne pouvais plus le supporter. Pourtant, tu l'as aimé? J'ai eu besoin de lui. Il était riche et puis il était généreux. C'est à cause de toi que je me suis mise avec lui. Et lui, alors? Il avait quelqu'un de qui il pouvait s'occuper et paraissait en être heureux. Bonjour, madame. Bonjour. Il
Il faut que je vous parle. Mais entrez, monsieur. Votre fils est ici? Oui. Alors, il vaudrait peut-être mieux que nous allions à mon bureau. Notre conversation pourrait un peu trop le bouleverser. Nous avons découvert le corps de Walter Lippmann, en effet. Il l'apprendra de toute façon. Très précisément de l'autre côté du Sachsenkamm, où vous vous êtes rendu aujourd'hui pour faire disparaître les traces. Nous vous avons observé à distance, mon collègue Heimann et moi. Marion, comment étiez-vous au courant que Walter Lippmann entendait modifier son testament? C'est lui qui me l'a annoncé. Son ami le voulait à tout prix. Et comme il avait peur de la perdre. Continuez, je vous en prie. Le jour précédent, celui où il avait rendez-vous avec son avoué, je me suis rendue chez lui une fois encore. Il s'apprêtait à partir pour la chasse. Il m'a fait entrer. J'ai essayé de le persuader. Alors il a clairement expliqué que sa décision était définitive. J'ai pensé à Philippe, à ce qu'il deviendrait sans moyen d'existence plus tard. Puis j'ai pensé à ce que le médecin m'avait dit au sujet de mon cœur. Je me suis sentie très très mal. Walter, monsieur Lippmann a pensé que le grand air me serait bénéfique. Nous sommes donc partis en voiture, en direction du Sachsenkamm. Il a dit qu'il profiterait de l'occasion pour tirer le canard, je m'en souviens très bien. Mais au fait, comment connaissiez-vous cette région? Parce que nous y sommes allés maintes fois avec lui. Continuez. À peine arrivé, il descend. Il y a son arme à l'arrière de la voiture. Voyons ça, vous prenez son fusil et vous tirez par deux fois sur lui, c'est ça? Oui. Sur le chemin du retour, sa voiture tombe en panne. Après, j'ai couru à la gare la plus proche. Et ensuite, vous êtes retourné au domicile de Lippmann. Oui. C'est moi qui ai arraché le feuillet de l'agenda où était noté le rendez-vous chez l'avoué. Puis j'ai tapé le mot pour cette femme à la machine, afin qu'elle prenne soin des deux chiens. Pourquoi vous avez fait ça? Cette histoire incombait en vérité au service des disparitions. Elle aurait été sûrement classée si vous n'étiez pas venu me trouver.